Donc. Quand le portail a fini de charger, vous vous retrouvez sur Xen. N'oubliez pas de remonter les FPS. Normalement, vous les avez descendus pour que Rosenberg se tourne plus vite. Donc, vous arrivez sur Xen. Alors, je vous montrer la Fastrat en premier. La Fastrat, c'est de venir ici, monter sur ces rochers. Et vous allez sauter sur l'espèce de tentacule qui est là. C'est pas évident à faire non plus, faut faire un long jump. Voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez continuer normalement. Donc il y a cette route là, sinon vous faites la route normale, c'est à dire vous venez de l'autre côté, vous montez les rochers, vous venez par là. Alors, en évitant de vous prendre les pieds dans les Wundai évidemment, et vous venez par ici. Donc, ensuite va falloir passer dans le conduit qui est là, sachant qu'il y a cette tentacule là, qui peut vous faire des dégâts. Et on veut surtout pas prendre de dégâts sur Xen. On va avoir besoin de notre vie et de notre armure pour faire des grenades boost. Si jamais vous prenez trop de dégâts, vous pourrez pas faire tous les grenades boost. Garder un ou deux points d'armure, c'est pas très grave. La tentacule, pour l'activer, vous pouvez tirer dedans. Détruisez ça. Faites ça, et vous passez dans le conduit. Là, vous êtes bon. Donc, alors, sur Xen, c'est génial. Il y a plein de conduits. On va beaucoup s'amuser. Et il y a aussi 2-3 headcrab dedans en général. Bon, ils sont toujours au même endroit donc ça devrait pas poser problème. Vous pétez l'espèce de grille qui est là et donc, pareil, il va falloir passer là donc vous pétez ça. Vous pouvez activer l'espèce de tentacule qui est là et vous passez tranquillement. Là, il y a 2 headcrab. Vous pouvez les tuer. Ensuite, ici on tourne à droite, il y a un headcrab. Dans les pentes, vous pouvez essayer de sauter, ça peut faire gagner un peu de vitesse. Il y a une trappe ici. Vous détruisez ça pour pouvoir passer. Et ici, il y a 2 passages qui sont possibles. Alors le plus lent, c'est de venir ici. Passer par là. Par ici, alors il y a les crêpes qui vous empêchent de passer, faut faire attention, vous pouvez essayer de garder la vitesse aussi dans ce conduit là. Vous tournez toujours à droite. Vous venez par ici, vous détruisez ça et vous allez à gauche pour aller dans ce tunnel là. Donc ça vous évite de faire d'aller dans l'eau et sortir de l'eau, c'est un petit peu chiant. La route là, alors je crois pas que c'est beaucoup plus rapide, mais c'est un tout petit peu plus rapide. Le plus rapide, c'est de venir ici, pas là où il y a la pente, celui qui est juste à côté. Il y a un crabe ici, et dans l'eau, vous allez droite. En fait, il est bien plus rapide. Je me rappelais plus à quel point l'autre était lent. Là, il va falloir monter là-dessus. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est aller en dessous de l'eau et spammer le saut. Et quand vous arrivez vraiment en haut de votre saut, vous vous accroupissez. C'est pas forcément évident au début. C'est un petit timing à prendre. Mais ouais, c'est pas très compliqué non plus. Donc, ensuite, vous continuez dans le tunnel qui est là. Vous mettez ça. Et on va préparer une grenade. Voilà, donc là normalement il y a plein de plateformes, faut faire tout le tour. Non, donc on va pas faire ça. Une fois que vous arrivez ici, alors la grenade, vous pouvez la lancer, vous pouvez la charger. Et si jamais vous avancez, que vous accroupissez, que vous sautez, que vous relâchez la grenade alors qu'elle est complètement chargée, ça vous fait un boost. Donc on va utiliser ça pour aller un peu plus rapidement. Donc la grenade elle prend, je crois que c'est 3 secondes 15. Pour être chargé complètement, mais pour éviter d'avoir à compter, dès que vous arrivez ici, vous pouvez commencer à charger la grenade. Vous allez venir ici, vous allez tout droit,
Là, faut avoir un tout petit peu plus de vitesse. Et... Ah, je vais pas y arriver. Alors non. Charge ta grenade. Normalement, vous pouvez juste faire un cercle. C'est assez dur de garder la vitesse tout le long, c'est faisable, ça demande un peu d'entraînement. Et quand vous arrivez sur le troisième rocher, vous pouvez boost, vous préparer une autre grenade pour la suite. Alors là aussi, le mieux c'est de garder la vitesse tout le long. Comme vous voyez, je suis très mauvais. Là, vous pouvez aller directement ici. Et si jamais vous n'arrivez pas à garder la vitesse, vous avez juste à faire un strap jump et vous pouvez grenade boost. Vous mettez au bord, vous faites ça. Donc ensuite vous pétez ça, alors soit avec le revolver, donc là il était pas chargé donc c'est un peu lent, soit avec la crowbar ça marche très bien aussi, soit avec n'importe quelle autre arme. Bref, vous pétez ce truc, vous descendez. Vous venez par là. Vous pouvez reprendre les grenades en main parce qu'il reste un dernier grenade boost à faire. On monte. Vous sortez de l'eau. Alors il y a une tentacule qui est là. Si jamais vous prenez un coup, c'est pas très grave normalement. Voilà, bon par contre vous êtes pas en vie. Vous pouvez quand même vous prendre un coup, mais faut éviter. Alors avant. Il faut sauter en étant accroupi et il faut relâcher la grenade vraiment après le saut. Comme ça. Donc faire ça, ça vous évite tout le détour. Normalement vous prenez le... Je vais vous montrer. Normalement vous prenez une espèce de trampoline qui est là, le jumper. Vous venez par là et puis vous faites tout le tour et c'est très long, c'est très chiant. Voilà. Vous venez par ici, vous pouvez hop, vous pouvez sauter directement en étant accroupi là-dedans. Vous venez sur la première marche et vous sautez ici. Et ensuite vous allez tout droit. Alors, premier truc à faire, c'est d'activer la boîte bleue. Vous pouvez utiliser dessus, ça va faire en sorte que ce truc-là s'ouvre. Sauf que, pareil, il prend beaucoup de temps à s'ouvrir. Donc, pendant que ça s'ouvre, on va pouvoir aller récupérer 2-3 petites choses autour. Donc, vous appuyez sur la boîte bleue. Vous avez le temps de récupérer ce kit-là. Vous pouvez éventuellement récupérer ce kit-là. Et ce kit-là, plus les ressources qui sont derrière, il y a des SMG Nike dedans. Donc ensuite faut activer les boutons pour que les flèches elles soient dans l'espace rouge. Alors vous pouvez faire un truc, je suis très mauvais pour ça, c'est essayer de maintenir E et vous pouvez, si vous êtes... Bon j'y arrive pas du tout. Mais il y a moyen normalement d'activer les deux boutons en même temps. Mais je suis très mauvais. Et oui les zones elles sont un peu buggées, vous allez voir c'est un peu bizarre, bref. Bouton là est bugué aussi. Hello. Très bien. Allez. Allez. Oui, il est clairement dans la zone rouge, mais. Il est un petit peu bugué le bouton. Enfin bref. Venez ici, vous collez sur l'espèce de lampe, ça va déclencher le trigger pour. Faire en sorte que le Vortigone se prenne la pile de rochers sur lui. Alors, juste en reculer un peu, ou alors vous pouvez juste le tuer. Alors, ça c'est bizarre. donc en général, il se prend les rochers avant de pouvoir attaquer. Ça c'est original. Je savais pas, c'est pas ce qui arrive. Hein. Donc
D'accord, très bien. Bon, il y a des choses qui arrivent. Bref, on veut venir ici, donc vous essayez d'éviter le tir de Vortigaunt. Mais normalement, les rochers lui tombent dessus avant qu'il puisse tirer. Et ici, il y a une crabe ici, il est assez chiant à éviter, mais vous pouvez l'éviter en passant. Moi, je passe sur la gauche. Alors, ce truc là qui régène de la vie, on évite de l'éviter parce que c'est lent. Un truc à savoir, c'est que si jamais vous baissez le framerate à 5, ça vous recharge la vie beaucoup plus rapidement. Donc, voilà, si jamais vous voulez. Vous n'êtes pas sûr de passer, ou vous êtes bas en vie et que vous venez de débuter et tout ça, vous pouvez prendre de la vie là-dedans, mais baisser vos FPS, ça sera quand même beaucoup plus rapide. Voilà, de toute façon, on va pas. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup d'ennemis, mais on va juste les ignorer. Donc, vous tombez ici, vous venez. Continuez tout droit. Alors voilà, ici il y a pas mal de crabes. Ah, qui vous mettent sur votre passage. Évitez autant que possible. Arrivé ici, donc il y a le portail qui est juste en face. Il va juste falloir. Quand vous avez à peu près ici, vous pouvez balancer une nade dans le vide pour apurer tous les Vortigaunts et ils vont être apurés, du coup ils vont pas vous attaquer. Et donc on a fini la partie sur Xen. Il y a encore une petite cutscene avec Rosenberg. Là, on pouvait baisser encore une fois les FPS pour qu'ils puissent tourner plus vite. Ouvrir la porte. Et il veut ouvrir cette porte et on va pouvoir prendre l'ascenseur et passer au chapitre suivant. Il ouvre la porte, vous accroupissez pour passer un peu plus vite en dessous de la porte, vous venez dans l'ascenseur, vous activez le bouton. Et on a fini avec Focal Point.